Oh, le bilinguisme, c'est vraiment... quand j'étais étudiant, j'avais reçu Laurando Danton, qui était venu ici à Trois-Rivières siéger la commission sur le bilinguisme et le biculturalisme. Mais c'est complètement de la foutaise. C'est Pierre-Éliott Trudeau, à un moment donné, qui nous a mis ça dans les pattes. J'écoutais encore aujourd'hui, dans l'Ouest, et ils ne peuvent pas déposer des documents juste en français, à la cour, dans certaines provinces. Nous, on a toujours eu nos lois au Québec, en français et en anglais. À la limite, on pourrait dire qu'il y a juste le Québec qui a respecté la Constitution de 1867. Si on parle des écoles françaises dans l'Ouest, si on parle de tous les documents légaux, il y aurait du travail pour les traducteurs pour des décennies, juste de rattraper le retard et de traduire après coup tout ce qui a été fait de façon unilingue en France. Ben moi, je ferais reposer comment l'importance de la parole. On a eu en 1960, toute la décennie 60, ce qu'on a appelé les poètes de la parole. Roland Giguère, Paul-Marie Lapointe, avec Arbre, entre autres. Il y avait Gatien Lapointe, sur le territoire, sur Ado-Saint-Laurent. Gaston Miron, Sa marche à l'amour, mais La Bâtèche, son poème qu'il a fait sur l'octobre. Gérald Godin, dans un langage très vernaculaire, mais qui rejoignait les gens. Alors, on a eu beaucoup de poètes qui ont pris la parole. J'oublie Jean-Guy Pilon. Yves Préfontaine, qui a été un des fondateurs du RIN. Alors, c'est des gens qui cumulaient un travail de poète, mais de prise de parole politique et puis une implication culturelle. On est quand même, moi je suis quand même fier du Québec, un poète est devenu ministre et a battu un premier ministre en poste. Ça, là, bravo à Gérald Godin.